Jean Rabé, cultivateur, est né à Cavagnac. Marie, sa mère, était messacoise. Incorporé le 17 septembre 1914, Jean a 20 ans lorsqu'il est tué le 19 janvier 1916 à Verneuil, dans l'Aisne. En janvier 1922, une cérémonie est organisée à l'occasion de son enterrement dans le cimetière de Messac. Avant la guerre, Jean Durgé avait quitté ses parents, cultivateurs, et son faubourg natal de la Foucherie. Pour aller travailler à Paris comme domestique, il avait effectué son service militaire dans les bureaux pour cause de malformation du genou. Mais début 1915, la commission de réforme l'a déclaré apte au service armé et Jean est parti se battre. Ce 17 mars 1916, dans l'après-midi, les canons allemands bombardent violemment le ravin de la Cayette, près du fort de Douaumont. Jean Durgé y est tué par un obus à l'âge de 28 ans. Marie Marmier vit seule à Nardi. Son mari, maçon, est mort avant la guerre et ses deux fils sont au front. Étienne, l'aîné, est soldat au 12e escadron du train des équipages. Son attelage approvisionne les combattants. Le 22 mars, en début de soirée, Étienne Marmier revient de son service de ravitaillement. En attelage, sa voiture est vue sur le brancard et tombe par terre. Les chevaux partent et la voiture lui roule sur la poitrine. Étienne meurt le lendemain à l'hôpital d'Épernay. Il avait 29 ans. Il sera enterré à Messac en 1921. En mai, l'État versera un secours de 150 francs à Marie Marmier. Jean-Pierre, son deuxième fils, reviendra de la guerre et deviendra facteur. Baptiste est patient, a eu 12 frères et sœurs, mais la moitié sont morts avant d'être adultes. Baptiste et ses 5 frères mesuraient tous moins d'un mètre 60. Ils sont partis à la guerre. Joseph est tué en 1915 dans le Pas-de-Calais. Germain et Auguste seront blessés. Pierre et Léon reviendront idem. Mais Léon sera arrêté en 1917 pour provocation de la désobéissance. Baptiste, lui, était cultivateur. Il avait épousé Léonie en juillet 1913 dans l'Allier. Soldat au 8e régime de Zouave, Baptiste est tué le 15 avril dans l'Oise. Il avait 31 ans. Il laisse son fils Maurice, âgé d'un an et demi, et sa fille Angèle, âgée de 2 mois. Léonie, sa femme, deviendra infirmière. Elle se remariera en 1921 et aura 5 autres enfants. Henri Rigaud, fils de boulanger, est né à La Béjaule. Employé à Messac, il est parti à la guerre le 17 septembre 1914, à tout juste 20 ans. Il meurt des suites de ses blessures le 15 août à Ville-sur-Coussance, dans le secteur de Verdun. Henri venait d'être nommé caporal. Jean Lajoinet, cultivateur, est né à Collonges. Il vivait à La Béjaule, au hameau des Orteils. En 1906, il avait été exempté du service militaire. Mais fin 1914, le conseil de révision siégeant à Messac le déclare apte. Jean Lajoinet part à l'armée dans les Zouaves en février 1915. Il disparaît le 9 juillet 1916 dans les bombardements de la Somme, âgé de 31 ans. Jean-Baptiste Merle est né à Sarrazac. Il mesure 1,70 m, a le teint mat, les yeux verts et les cheveux bruns. En novembre 1913, il est libéré après 3 mois d'années de service militaire. En avril 1914, il épouse Louise Grouzet du Chose. Jean-Baptiste est employé au gaz de Gennevilliers. Et les jeunes mariés s'installent boulevard Voltaire à Ancenis. Le 3 août de la même année, Jean-Baptiste part faire la guerre dans l'artillerie
Il est blessé en novembre 1915 et retourne au front 5 mois plus tard. Le 12 juillet 1916, Jean-Baptiste Merle est tué à Dindonvillers en Meurthe et Moselle au pied des Vosges. Il est enterré dans la nécropole nationale, tombe 374. Il allait avoir 30 ans. Joseph Conchet, né à Marseillac-la-Pose, vivait à Neuilly-sur-Seine. Il était infirmier. Ses parents, Pierre et Antoinette, sont cultivateurs au champ d'Oule à Messac. En avril 1913, Joseph épouse Maria à Messac. Elle y travaille comme modiste avec sa mère. Quand Joseph est mobilisé au 126e régiment d'infanterie, Maria revient vivre à Messac chez ses parents. Elle y donne naissance à Hubert au printemps 1915. Joseph est tué à 28 ans à Glorieux, un faubourg de Verdun, le 28 août 1916. Il est enterré dans la nécropole de Glorieux, tombe 523. Léopold Rivière était cultivateur à Pierre Taillade. Il a 41 ans. En août 1914, il avait quitté sa femme Marie et son fils Jean, âgé de 11 ans, pour partir à la guerre. Décrit comme très bon gardé, courageux, de pleine, de bonne humeur, et le caporal Rivière est touché par un obus dans une petite poste avancée près de Limes, en Meurthe et Moselle. Léopold meurt à l'ambulance de Manonville le 6 septembre. Son unique frère Jean-Louis reviendra de la guerre avec un bras paralysé. Le corps de Léopold sera transféré et enterré à Messac en 1922 avec ceux de Louis Rabé et Henri Rigaud. Le père de Baptiste Delsol est forgeron à Messac. La guerre surprend Baptiste à Saint-Jean-de-Luz où il est conducteur d'auto. Baptiste n'est incorporé qu'en septembre 1915. Un an plus tard, le 15 septembre 1916, des soldats du 33e régiment d'infanterie partent à l'assaut de la ferme de Priez dans la Somme. La ferme est prise. Mais Baptiste, 20 autres soldats et leurs commandants sont tués lors de cette attaque. Tous sont enterrés sur place. Les deux frères de Baptiste, mobilisés dans les chemins de fer, reviendront de la guerre. En décembre 1919, un secours de 150 francs sera envoyé à la famille de Baptiste. Merci. Donc Léane va vous lire la communication de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. En ce 98e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, la France commémore également le 100e anniversaire de la bataille de Verdun et des combats de la Somme. À Verdun, ce 21 février 1916, en 9 heures d'un pilotage ininterrompu, 1 million d'obus s'abattent sur les lignes françaises. Ainsi commence un combat pathétique, titanesque, d'une violence inouïe dont l'horreur restera dans toutes les mémoires comme une vision d'enfer. Les hommes vont se livrer à des combats confus, acharnés, se terminant dans un effroyable corps à corps. Ils tiendront 300 jours et 300 nuits. 300 jours et 300 nuits d'héroïsme dans un esprit de sacrifice absolu. L'armée française y perdra 163 000 hommes, l'armée allemande 143 000. L'année 1916 suit aussi celle de la bataille de la Somme, engagée le 1er juillet par une attaque franco-anglaise. L'importance de cette offensive concertée, la ténacité méthodique des alliés et l'énergique impulsion donnée à cette offensive sur la Somme viendront à bout de l'obstination des Allemands plus assez forts pour résister à la fois à Verdun et sur la Somme. Cette bataille ne prendra fin que le 18 novembre 1916. L'armée française y perdra 67 000 hommes,
l'armée britannique 206 000, l'armée allemande 170 000. Le 11 novembre 1918, l'armistice intervient. Après ces 4 années de conflit, la France, pour sa part, déplorait 1 400 000 morts, 540 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer et des pays alliés, qui ont fait preuve d'un courage exemplaire méritant d'une indéfectible reconnaissance. Ils se sont tous battus pour un idéal de paix et de liberté. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre invite toutes les générations et spécialement la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Allons, 3, 4, allons. Allons de la patrie. Et qu'on a son